jusqu'à maintenant, tous les cas avérés d'esclavage n'ont jamais été suivis de poursuites judiciaires ou de sanctions, ni de sanctions par les autorités mauritaniennes. Malgré les discours et les déclarations de foi, d'intention qu'on fait à destination de l'opinion publique internationale pour essayer de soigner une certaine image d'une Mauritanie qui reste ô combien esclavagiste. Pas d'interpellation, pas d'enquête en bonne et due forme. Nous ne pourrons pas interroger les maîtres d'habits, ni même les approcher. C'est d'autant plus gênant que les résistances d'Abby à se laisser affranchir jettent un doute sur cette histoire, et au-delà, sur la réalité de l'esclavage. C'est pour lever ce doute, entre autres, que nous avons souhaité entendre un maître. Un seul d'entre eux a accepté de nous parler. Mohamed Lemine. Ce Mort-Blanc descend d'une grande tribu. Et comme tout maître qui se respecte, à la naissance, il a reçu un héritage, un bien. Ce bien, c'était un homme, un esclave, Etman. Un esclave dont il va pourtant se séparer. Viens, viens avec moi. Tu te souviens du jour où je t'ai affranchi? C'est loin. C'était il y a 20 ans. Je l'ai affranchi dans mon fond intérieur tout petit. Et donc après, bien sûr, à la majorité, je l'ai complètement affranchi, quoi. Je lui ai dit que c'est un homme libre. Tu avais honte? Moi, j'avais pas honte de dire que c'était mon esclave. Mais au fond de moi, ça me faisait très mal qu'il soit esclave. C'était un peu ça, le dans mon fort intérieur. Mais du coup, finalement, t'es complètement différent des gens de ta famille, de ton père, par exemple. Oui, sur ce plan-là, je suis complètement différent d'eux. Oui. C'est une réalité, il était esclavagiste comme les gens de sa génération. Tous les morts de sa génération, ils avaient des esclaves, ceux qui avaient les moyens d'avoir des esclaves. Lui, il en a hérité une partie, il en a acheté une autre, mais c'était ça, parce qu'il avait des animaux, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et l'usage, c'était de ne pas avoir des gens payés, mais il fallait avoir des gens qui leur appartenaient. Est-ce que ton père a affranchi aussi des esclaves? Mon père, il a affranchi des esclaves. Il ne les affranchissait pas spontanément. Il y avait toujours une raison. Ça veut dire que sur le plan religieux, quand un musulman commettait certains péchés, il est prescrit dans la religion qu'il doit affranchir un esclave ou nourrir 60 personnes ou gêner un certain nombre de jours. Le choix le plus facile, c'était de libérer un esclave. Parce que vous en aviez beaucoup? Oui. Oui. Oui, parce qu'on en a beaucoup. Pour renoncer à l'esclavage, Mohamed Lemine a fait un vrai travail sur lui-même. Il a dû rompre avec la tradition pour devenir ce qu'il appelle un maître affranchi. Vingt ans après, Mohamed Lemine est devenu un autre homme. Un homme capable de partager un moment avec Etman. Sans culpabiliser. Il est bon, ce mouton. Il vaut mieux que je ne vienne pas trop souvent. Non, au contraire. Si tu tues un mouton à chaque fois que je viens, tu n'en auras plus. Ne t'inquiète pas. À chaque fois que tu viendras, il y en aura un dans la marmite. Inch'Allah. C'est ton frère? Ouais. D'ailleurs, je le préfère à tous mes frères. C'est ton frère de sang? Non, c'est mon frère de vie.
j'ai têté sa mère. C'est avec le lait de sa mère que j'ai été élevé. J'étais tellement jaloux de lui quand on était petit. Parce qu'il pouvait aller jouer, faire ce qu'il voulait. Il pouvait aller monter sur les ânes, aller courir dans la rue. Et moi, j'étais toujours surveillé pour faire mes devoirs. Est-ce qu'il n'était pas jaloux de toi? Je ne peux pas lui poser cette question. C'est ça. Pas non plus comparer l'incomparable. Il y a beaucoup de choses que moi, je peux dire et que je peux essayer de les dire, pas pour le violenter, mais lui, il ne faut pas oublier la position dans laquelle il était, ce n'était pas la meilleure, quoi. Et il faut qu'il mette du temps. Comme moi, j'ai mis du temps pour pouvoir me libérer de tous les tabous, lui, est-ce qu'il est arrivé à la même réflexion? Ça, c'est autre chose. C'est pas évident, hein? C'est assez violent. Hein? Je suis né maître, il est né esclave. C'est ça. Ce n'est ni sa faute ni la mienne. Mais lui, il a été privé de sa scolarité. Et moi, on a tout fait pour que je fasse une bonne scolarité. D'aller dans les grandes écoles, les grandes universités. Ma famille s'est sacrifiée pour me permettre d'étudier. Et lui, par contre, on l'a sacrifié pour être berger, quoi. C'est vraiment des tirs. Mais tu le savais qu'on en parlerait. Oui, mais je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait être comme ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça a été très émouvant pour moi. Ça a été dur, quoi. Je ne pouvais pas imaginer la dureté, quoi. Ça vient de loin. Ça vient de mes tripes. Elle vient de loin, je le sens remonter, je sens remonter de mon ventre. C'est comme si je faisais... Et c'est fort ce que tu viens de faire, parce que personne ne le fait. En tout cas, moi je le fais et j'espère que tout le monde le fera, parce que je pense que c'est une thérapie. Quand même. Retour à Nouakchott où la caravane vient d'arriver chez Biram. Abi, qui quelques heures plus tôt était dans tous ses états, semble maintenant apaisé. Ne t'inquiète pas, ils sont gentils. Tu te sens libre maintenant? Quoi? Tu te sens encore esclave? Non. Donc tu étais une esclave? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas dit tout à l'heure? J'avais peur de ce qui pourrait m'arriver si je disais que c'était mes maîtres. Donc tu es contente que Bilal soit venu te chercher? Bien sûr. Alors Bilal, tu es content? Oui, très content. Qu'est-ce que tu ressens? Que du bien. Je veux maintenant qu'Abi trouve ses marques et se sente bien ici. Tu as peur qu'elle retourne chez ses maîtres? Oui, c'est vrai, j'ai peur qu'elle y retourne. Elle a la tête dure et elle est toujours enchaînée psychologiquement. Vu ce qu'elle a subi, elle est encore très fragile. Tu dois t'armer de courage. Considère qu'Abi est maintenant en convalescence. Elle est malade. Alors tu vas la soigner. Sois doux avec elle et protège-la bien.
Abby va commencer une nouvelle vie, libre. Mais elle n'arrivera pas à porter plainte contre ses maîtres. La liberté est un apprentissage difficile.